Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une unboxing en partenariat avec la boutique e-broderie Diamant, voilà, qui m'a gentiment proposé de m'envoyer un kit pour vous le présenter et également pour moi le faire et en parler, voilà, comme je fais très souvent dans mes vidéos partenariat. Voilà, j'en ai déjà fait avec eux et comme j'ai pas eu de soucis particuliers, voilà, j'ai accepté de refaire un partenariat avec eux. Voilà. Comme d'habitude, c'est moi qui ai choisi le kit que je souhaitais faire. Bon, j'ai eu un peu de mal à choisir parce que bon, ils ont énormément de choix sur leur site. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce que je voulais. Vous allez dire, bon, je suis encore toujours un peu dans les mêmes styles, mais bon. Alors, c'est un grand kit, voilà. Comme un peu comme celui que je vous offre, mais c'est plutôt la boutique e-broderie Diamant vous offre pour le concours, hein, dans la vidéo précédente, hein. Alors pareil, si vous n'avez pas encore participé au concours, n'hésitez pas, je vous remets le lien ici quelque part, comme d'habitude, pour participer au concours, pour gagner donc un kit de la boutique e-broderie Diamant. Donc moi, voilà, j'ai ma petite boîte. Bon, j'ai déjà jeté l'emballage, hein, parce que bon, en ce moment, quand le colis arrive, moi, je sais que ma lingette, j'essuie tout mon colis et je jette tout de suite les emballages de colis. Je ne traîne pas à les garder. Donc voilà, c'est pour ça que là, vous ne l'avez pas vu. Mais il était super bien emballé. Il n'y avait aucun souci. Voilà. Donc même ça, j'ai désinfecté. Chose que j'ai oublié de dire d'ailleurs pour le concours, j'ai désinfecté le carton également du concours. Voilà. On devient un peu maniaque en ce moment. Donc tout ça pour vous dire que je vais vous présenter le kit que j'ai choisi. Alors, c'est un kit, donc, taille, je ne sais plus si je viens de vous le dire, mais bon, je vais le répéter si j'ai déjà dit, de taille 50-70, voilà. Ce sont des perles carrées. Il y a donc, là c'est la feuille de route, 36 couleurs, voilà. Voyez. Bon, il n'y a pas le dessin dessus. Je vais essayer de vous le montrer sur le kit, mais je vais vous remettre l'image après. Alors, je cherche le début du kit. Alors, comme d'habitude, c'est une toile qui est en très bon état. Voilà, je vous remontre. Vous voyez ? Et je remontre sur l'envers. Comme quoi, on voit qu'il n'y a pas de, rivière. Hein. On n'en voit pas d'apparence, en tout cas. Alors, je vais vous montrer la toile par elle-même. Hop. Donc ça va, il n'y aura pas beaucoup de noir dans mon kit. Il y a une partie blanche, mais je pense que ça va être du blanc mélangé. C'est pas vraiment du blanc, donc ça va aller. Je vais vous montrer la qualité d'impression. Doucement, hein, parce que je veux pas l'abîmer, ce serait ballot. Donc voilà la qualité d'impression.
laquelle il y a ma télé qui reflète un peu dedans. Je suis désolée. Comme ça, peut-être. Alors, là, bien sûr, sur le côté, donc là, ça, c'est la première fois qu'on le décolle, donc il est un peu dur, c'est normal. Alors là, c'est une protection entière, c'est pas des bandes, c'est une protection entière. Ça ne me gêne pas trop. Donc, voilà le modèle que j'ai choisi. Mais je vais vous remettre la photo parce que là, ça floute, vous ne le voyez pas bien. Voilà. Donc, on a toutes nos références couleurs. Ici. Et je vais remettre la protection. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de rivière apparente, rien. La pression est bonne. Excusez-moi, juste le temps que je recolle la protection. Voilà. Je vous montre tout de suite le modèle choisi. Donc voilà, vous avez vu le modèle. Il y a des tigres, voilà, des tigres blancs, des papillons, une dame dessus, voilà. Bon, c'est rare que je fais des personnages, hein, mais là, pour une fois, il y en aura un. Bon, ça me change un peu. Bon, oui, ça me change un peu parce qu'il y a un personnage, peut-être. Bon, j'avais déjà fait des personnages, mais qu'est-ce que j'ai fait en personnage ? La japonaise, la geisha, et j'avais fait une indienne. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait en personnage. Donc, ça me changera. Donc là, je vais en avoir pour un petit moment. Hein. Et donc, voilà les perles. Alors, je vais vous montrer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 36 couleurs. Alors, je cherche le bout. Je cherche en près du sachet. Désolée pour le bruit. En deux pots. Le premier que je sors, c'est du noir. Regardez, voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer avec le noir parce que vous ne verrez pas bien la qualité des perles. Voilà. Vous voyez. Donc, les perles carrées. Alors, ce qui est bien, bon, ça je répète à chaque fois, mais ce qui est bien, c'est en sachet zippé. Donc, quand j'aurai terminé mon kit, au moins, s'il me reste des perles, je les remets dedans. Les références sont déjà inscrites. Donc, je n'ai pas besoin de remettre une étiquette dessus. Voilà, j'aurais plus qu'à remettre mes perles dedans. Je suis tranquille, je ne vais pas user des sachets. Donc, voilà, là, j'ai des petites blanches, enfin des crèmes, vous voyez. Mais blanche, blanc, blanc, je sais pas s'il y a des blanches, blanches, mais pas beaucoup. Ça va. Là, j'ai une toute petite perle qui se promène, mais il n'y en a qu'une. Bon, c'est une qui a dû se perdre dans le voyage. Et avec, j'ai le petit kit. Voilà. Avec le petit stylet qui a avec la petite mousse. Donc, c'est le stylet avec le... Je vais vous montrer de plus près. Voilà, avec l'embout où on peut en mettre une dizaine, je crois, ouais. Alors celui-là, j'aime bien parce que moi, bon, je ne sais pas si vous verrez, il a un peu pailleté. Voilà, mais bon, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien là.
Donc, il y a la petite mousse pour protéger avec les doigts. Mais bon, en ce moment, je ne me sers plus des stylets, des kits, hein, puisque je me sers du stylet de Marilyn. Je me trompe pas. D'ailleurs, je vous remets ici la vidéo de présentation que je vous avais fait de la boutique, justement, de Marilyn, avec ses stylets. Voilà, comme ça, vous pouvez aller revoir. J'utilise plus Flossia maintenant. Je suis vraiment tranquille. J'ai pas mal à la main, ni rien. Alors qu'avec ceux-là, qui sont fins à la longue, j'avais quand même mal aux mains. Mais là, avec le sien, c'est nickel. Donc voilà, vous voyez, bon, j'ai quand même pas mal de couleurs, hein. J'ai du blanc, j'ai du rose clair, j'ai du bleu. Il y a du vert, du gris. Bon, j'ai pas mal de couleurs. J'ai pas beaucoup de couleurs foncées, vraiment très foncées. Donc, ça va. Voilà. Donc voilà, bon, ben celui-là, vous le verrez en plusieurs vidéos. Hein. Là, il va y avoir plusieurs vidéos. Je vais l'attaquer ben, la semaine prochaine. Je l'attaquerai la semaine prochaine. Là, je finis ma femme tigre avant. Et j'attaquerai celui-là. Oui, de toute façon, là, on est quoi? On est mercredi, jour où je vous filme la vidéo. Oui, je vous le ferai la semaine, je l'attaquerai la semaine prochaine. Donc, on le démarrera ensemble. On fera la préparation des perles, comme je fais d'habitude. Et puis après, on attaque le kit. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit, hein, si mon choix est bon, si vous aimez bien ce style aussi ou pas. Bah, il y a Fifi qui vient vous dire au revoir déjà. Hein, Fifi? Tu viens déjà dire au revoir? C'est quoi? C'est des perles pour maman? Oui, il y a là que maman. Oui, bah dites-moi si vous aimez bien ce style ou pas. Et je vais vous mettre. Alors, attendez, je vérifie juste une petite chose. Alors, je vais vous ajouter en barre d'infos donc un code. Voilà. Qui vous permettra d'obtenir 10%. De réduction sur le site internet, hein, sur la boutique de Ibroderie Diamant. Voilà. Le code, je vais pas vous le mettre là parce que bon, ça sert à rien. Je préfère vous le mettre en barre d'infos parce que bon, ben, c'est des lettres, des chiffres, donc ça va être compliqué pour vous de le retenir comme ça. Vaut mieux que vous le voyez en écrit en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de la boutique. Je vous mettrai le lien du kit, voilà, si vous souhaitez le retrouver directement. Désolée, on a eu une petite coupure, du coup je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais bon, je vous disais que je vous mettais un lien de promo en barre d'infos, je vous mettais le lien du kit, le lien de la boutique, etc. Donc vous retrouvez tout en barre d'infos, comme d'habitude. Et maintenant, je vais vous laisser. Pour ce soir, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses. À très bientôt, bisous bisous.